Le nom de Quantz est indissociable du monde de la flûte baroque, de par sa quadruple qualité de flûtiste virtuose, de compositeur, de théoricien et de facteur d'instruments. Après avoir été second flûtiste du prestigieux orchestre de Dresde auprès de son maître Buffardin, Johann Joachim Quantz eut le privilège d'être le professeur de flûte du roi de Prusse, Frédéric le Grand, et c'est pour lui qu'il écrivit la plupart de ses 300 concertos et 200 sonates pour flûte. Son traité, qui va bien au-delà de l'enseignement de la flûte et nous donne d'inestimables conseils sur la musique de son époque, est l'un des ouvrages fondamentaux du XVIIIe siècle musical. Pour ces raisons, les instruments signés de son nom présentent un intérêt tout particulier. La flûte de Quantz est pourtant très atypique à plusieurs points de vue. Son diapason considérablement bas reflète une survivance du Tiefkammerton à Berlin jusqu'à une époque avancée, alors qu'il s'était élevé d'un demi-ton ou davantage partout ailleurs en Allemagne. Ce diapason contribue, tout comme la large perce, à cette sonorité mâle et cette voix de contralto qu'il prône dans son traité comme l'idéal de son de la flûte. Plusieurs détails sont caractéristiques. La coulisse d'accord, le bouchon à vis, que Quantz conseille de repositionner selon que l'on joue un adagio doux et langoureux ou un allegro plein de feu. Et plus encore, ce sont les deux clés qui sont en quelque sorte la signature de la flûte Quantz. L'une donne le ré dièse et l'autre, un coma plus haut, le mi bémol. Une distinction subtile mais fondamentale pour Quantz, ce qui permet de mesurer son exigence en matière de justesse. Cet instrument vigoureux et sonore, reconstruit par Pierre Etchegoyen, se prête particulièrement à l'exécution de concertos et notamment aux œuvres pleines de fougue et de passion de l'école berlinoise, comme celle de Quantz, Benda, Graun et bien sûr Carl Philipp Emanuel Bach.